Tu es toujours là, tu es toujours là, papa. Tu nous tiens dans la main, Seigneur. Osama l'amour, Olingonais en infini. Merci, Seigneur. Merci, papa. Tokumisio. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus. Amen, hein? Amen, amen. Malili. Il fait chaud, hein, papa Emma. Est-ce que quelqu'un veut témoigner pour les gloires d'Éternel? Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un veut chanter pour son Dieu? On va laisser la place pour papa et maman. Acclamons pour la gloire d'Éternel. J'aime bien cette chanson. Car par le Jésus, il est la vie, il est la vérité, le chemin de la vérité. Thank you.
Nous allons prier pour la parole, bien-aimée. Demande ton Dieu que tu puisses écouter tout ce qu'il a préparé pour toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Je veux que ma vie soit transformée, Père de gloire. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore entre tes saintes mains, Seigneur, car tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour la première partie, Yahweh. Merci, Seigneur, car tu étais là. Nous t'invitons aussi pour la deuxième partie, pour la prédication, Yahweh. Au-delà, ta parole transforme, papa, et transforme ma vie, Nabiso, Père de gloire. Ton serviteur que tu as préparé ce soir, Yahweh, tikete nzamba lola, vinaye Yesu Messia, et à la combler de ta grâce, parce qu'aux nzambe, salanzambo ko sala au-delà, salanzambo, Père de gloire, que tu vas te manifester puissamment dans sa vie, Seigneur. Salayomuto koloba, Père de gloire, boutupoko elelo Yesu Messia, yonzo lobe labiso, parle-nous ce soir, Yesu Messia, que ta parole ait changé vie, Nabiso, tobi mandenge toyela kite nzambe. Tout ça la transformer na parole na yo parce qu'aux ensemble et tout ce qui confesse pas ton nom zambalola et ça la neutraliser ni les sans effet bah hier pensée qu'aux la distrait même na travers aban ensemble et ça la musique na combole ce messie à papa zala na biso longo parce qu'aux amalamo merci Seigneur alléluia on sent ton Yahweh disons merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Amen, hein? Nous laissons la place pour pasteur. Lorsque pasteur va passer, manifeste ta joie, bien-aimé. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus est bon. Si Jésus est bon, fais comme ça. Si Jésus est bon, fais comme ça. Si Jésus t'a fait du bien, donnez-nous un bon sourire. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent chanter très doucement pour adorer notre Dieu? Très simple, très doucement. Que l'inspiration vienne maintenant au nom de Jésus. Pour la gloire de notre Dieu. Très doucement pour la gloire de Dieu. Nous voulons élever encore le grand roi. Il mérite toute l'honneur. Il mérite toute l'adoration.
Que
Et acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Que l'amour, que la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel demeure avec vous tous. Que le Seigneur se montre puissamment dans nos vies, dans nos foyers. Qu'il prouve qu'il est notre Dieu. Nous avons un Dieu. J'aimerais te dire, tu as un Dieu. Non, j'aimerais te confirmer, ton Dieu est vivant.
Non, j'aimerais t'affirmer que ton Dieu a vaincu la mort. Non, j'aimerais te confirmer que ton Dieu, c'est un Dieu véritable. Non, j'aimerais t'affirmer que ton Dieu a vaincu. Non, j'aimerais t'affirmer que ton Dieu fait des choses extraordinaires. Non, j'aimerais t'affirmer que ton Dieu est extraordinaire. Oh, j'aimerais t'affirmer que ton Dieu est plus dangereux que les sorciers. Oh, j'aimerais te confirmer que ton Dieu est tellement puissant que le diable ne peut pas s'approcher. Oh, j'aimerais affirmer à un enfant de Dieu, ton Dieu, il est le très puissant. Amen. On a eu l'envie d'adorer. Si ce n'est pas l'Éternel, où est-ce que nous pouvons adorer? J'ai vu un supporter d'un homme mortel, d'un joueur de football. Lorsque l'autre là était en train de jouer, mais le mec n'était pas à l'aise. Il était mal à l'aise parce qu'il dit qu'il va marquer aujourd'hui. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, soyez rassuré parce que ton Dieu est extraordinaire. Comment des gens peuvent 90 minutes de match de foot où quelqu'un veut plus manger parce qu'ils ont échoué? Mais moi je te dis, toi tu n'échoueras jamais. Oh, je dis, l'échec ne pourra pas t'atteindre. Peu importe de forme de combat, de réalité que nous pouvons traverser, la main de l'Éternel sera là pour nous défendre. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous venons devant Dieu, soyez dans la joie de bénir l'Éternel. S'il faut exploser pour la bénédiction, pour adorer Dieu, n'hésite pas à exploser et adorer ton Dieu. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, si tu es devant la présence de ton Dieu, bien-aimé, David, lorsqu'il était roi, il ne regardait pas sa royauté lorsqu'il adorait. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a adoré plus que David. Mais David, il était roi. Peuple de Dieu, nous ne sommes même pas des rois. Mais tu es un prince. Oh, laisse-moi te dire, tu es un prince. Oh, laisse-moi te dire, tu es une princesse. Oh, laisse-moi te dire, tu es une princesse. Alléluia. Donc c'est-à-dire, soyons dans la joie quand nous venons devant la présence de notre Dieu. Dieu est bon, il nous a fait du bien. Nous voici encore devant sa présence. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté. Sois avec nous, fais-nous du bien. Nous ne sommes rien, mais rends-nous utiles pour ta gloire et pour ta bonté. Tu es le Dieu qui agit et qui répond favorablement. Tout l'honneur soit à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. J'ai béni l'Éternel pour la grâce, pour la bonté, pour son amour. Quelqu'un qui peut m'aider, me rappeler qu'est-ce que Dieu nous a appris le dimanche passé. Qui peut m'aider vite fait? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Alléluia. Pasteur, il faut laisser des autres évoluer aussi. On a appris, pasteur a dit, quelqu'un peut m'aider encore? Pardon? C'était la connaissance spirituelle vraiment? Alléluia. C'était l'ignorance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on a parlé, on voulait parler de la connaissance, mais il est très risquant de parler de la connaissance sans pourtant revenir sur l'ignorance. Parce qu'on peut avoir la connaissance et être ignorant. Et l'ignorance peut être volontaire. Donc quelqu'un qui connaît, mais ne veut pas. Même si on enseigne la parole de Dieu, il y a même des gens, quand tu enseignes la parole de Dieu, c'est quand tu dis Jean 3, chapitre 3, lui, c'est après ça, il va dire Matthieu chapitre 4. Il le sait déjà. Et nous avons appris que Jésus-Christ est né dans un pays dont l'évolution de l'évangile, Israël a vécu avec l'histoire biblique. Il a expérimenté Dieu de toutes ses formes. Donc Dieu a réalisé des choses, ils ont subi, ils ont eu des victoires, ils ont perdu, ils ont gagné. Et l'histoire biblique, l'ensemble de l'histoire biblique est constitué premièrement pour l'Israël. Mais ce qui est complexe, nous allons encore revenir encore sur cette même réalité, mais maintenant nous allons venir sur la connaissance vraiment spirituelle. Pourquoi? Avant, c'était l'ignorance, maintenant c'est la connaissance. La connaissance existe. La connaissance, lorsque nous parlons de la connaissance a plusieurs formes. Vous allez se rendre compte lorsqu'on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent certaines choses.
La connaissance n'est pas seulement spirituelle. La connaissance des sciences, la connaissance de la médecine, la connaissance de la mécanique, la connaissance technique, la connaissance scientifique, la connaissance astrologique. Alléluia. Il y a plusieurs formes de connaissances. Mais il est vrai, ce que j'aime dans la parole de Dieu, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas, Dieu a permis que Jésus puisse, la promesse était d'abord prise pour Israël, et Dieu a permis que Jésus-Christ soit né aussi à l'Israël. Le plus grave, c'était les promesses de Dieu avant sa naissance. Dieu a dit, ils auront les yeux pour voir, mais ils ne verront rien. Ils auront les oreilles pour entendre, mais ils n'entendront rien. Vous allez voir, Israël, c'est une nation qui maîtrise la parole de Dieu. Israël maîtrise la parole de Dieu. Et l'une des piliers d'Israël, c'était la première personne, c'était Abraham. La deuxième personne, c'était Moïse, ainsi de suite. Il y avait des gens qui ont vécu dans ce pays qui ont vraiment démontré la puissance et la grandeur de Dieu. Ou soit par une forte relation où Dieu a opéré à travers et à travers leur personne une grande dimension de la puissance. Alléluia. Et ce qui est bizarre, malgré que Jésus était né en Israël, l'évangile qu'il a apporté, quelque part, était tellement troublant pour des gens qui connaissaient déjà la parole de Dieu, comme Israël. Cela veut dire quoi? Israël connaissait la parole de Dieu. Il y a certaines choses, quand Jésus le disait, vous allez voir, Jésus était toujours rabaissé d'une certaine manière. Pourquoi? Jésus était appelé soit fils de David, soit fils de charpentier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait seulement réduire Jésus à l'état d'un être humain. Alléluia. Il voulait, il savait mieux que vous, que moi, la promesse, les promesses que Dieu les a dites. Parce que la promesse a été dite à Israël. Non pas aux nations d'abord. La promesse a été d'abord dite, déclarée à Israël. Et vous allez se rendre compte, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, avant le baptême de Jésus, Jean-Baptiste disait, celui qui viendra après moi, je ne oserais même pas ôter ses sandales, tellement il est puissant, il est supérieur. Et la Bible dit, lors des baptêmes de Jésus, parce que chaque personne connaît à sa façon et à sa manière. Laisse-moi te dire une chose, la connaissance peut être aussi un danger pour une vie chrétienne. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça tout simplement? Tellement on connaît. Surtout, il y a certaines choses qu'on connaît depuis l'enfance. Parce qu'il y a des gens qui prient depuis l'enfance. Tes parents ont appris. J'ai fait de ma langue. Je pense que certaines personnes comprennent. J'ai tapé mes 2 ans. Donc, c'était pas facile pour moi tellement que j'ai crié. Imaginez quand papa Néo parle à mon ami Ricardo. Vous comprenez un peu? Donc c'était l'instruction le plus fort que j'ai eu. Et c'était pas facile pour moi, certaines choses qui étaient simples d'accepter cela. Parce que j'ai compris ça depuis mon enfance. J'ai été élevé comme ça. C'était dans la foi. Vous allez voir, lorsque nous prions, vous allez observer la même prière que nous faisons. Chaque personne ou chaque église a certaines choses qui est un peu différentes de nôtres. N'est-ce pas? Alléluia. Donc chaque personne, nous tous nous prions un seul Dieu. Je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas d'autres religions, mais je parle seulement des chrétiens. Donc nous avons nos tendances. Quelque part, vous allez voir des femmes sont, et les gens sont pieds-nus. Quelque part, vous allez voir des gens sont habillés blanc-blanc. Quelque part, vous allez voir, donc il y a plusieurs tendances. La transmission aussi peut être dangereuse. Cela veut dire, quand on transmet la parole, que l'Esprit de Dieu nous aide, des serviteurs de cette église, que nous puissions ramener la parole de toute fidélité. Parce que dès que la parole est déformée, ça peut créer du mal à quelqu'un. Alléluia. Parce que la parole, Dieu nous a envoyé la parole pour nous sauver. D'abord, non pas pour être guéri seulement. La guérison, comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Il est normal lorsque nous vivons ici-bas d'être guéri. Mais il est aussi normal dans la connaissance humaine. Si ça ne va pas, je vais voir berger. Non pas sur le plan spirituel, mais je vais lui voir parce qu'il a des connaissances de la médecine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. J'ai vu des pasteurs. Vous ai parlé de mon père spirituel. Il était aussi docteur en théologie. Et la fois dernière, je vous ai dit, lorsqu'il dit, il parle,
parlait, non pas lire, il parlait de l'acte des apôtres, des premières jusqu'au dernier verset, je disais, c'est extraordinaire. Ce qu'il m'a impressionné, il m'a dit, tout ça là, ça vaut rien. Comment ça? Parce que moi, j'étais impressionné. Comment est-ce qu'on peut avoir cette capacité-là? Il m'a dit, tu peux tout savoir. J'ai fait la théologie parce que je voulais être professeur visiteur. Donc, ça dit, même ici, à ce qui concerne la connaissance de la parole, il y a des gens qui apprennent la parole de Dieu, mais qui sont païens. Alléluia. Allez visiter des facultés. J'ai cherché si ici, il y a une faculté de théologie. Je ne pense pas qu'il y en a parce que je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un voit, allez visiter la faculté de la théologie. Donc, des gens qui font la théologie, qui prennent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. Donc, c'est ce que je viens de dire, que la connaissance aussi peut être dangereuse. Jean-Baptiste connaissait certaines choses. Il savait que des choses que je sais, que celui qui viendra, lorsque Jésus aussi est venu, il a vu, il a affirmé que cet homme est différent. Il a dit, non, cet homme est différent. Je ne peux pas te baptiser. Écoutez-moi très simple, bien-aimé. La connaissance peut être là, mais respecter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ça peut nous aider ou nous faciliter la tâche d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus lui a dit, écoutez, ne regardez pas ça, mais je suis venu accomplir la parole de Dieu. Donc nous sommes l'objet de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est que Jésus a déclaré à la croix en disant, tout est accompli. Donc ça dit, ce que je suis que rien que l'accomplissement de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. C'est un peu bizarre, une fois à la maison, on a parlé de ça, mais aujourd'hui on ne va pas vraiment revenir sur ça. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu dans Genèse, dès le commencement, Genèse chapitre 3, les versets 5 à verset 6, vous allez voir que l'homme, lorsqu'il a mangé l'arbre de le fruit interdit. Alléluia. La Bible dit que l'homme a consommé. Genèse chapitre 3, verset 5 à 6. Lorsque l'homme a consommé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Nous allons lire dans Proverbe. Est-ce qu'on peut aider Béni? Béni, il faut être rapide parce qu'on est en même temps. Où... Alléluia. Donc, lorsque l'homme avait consommé l'arbre de connaissance du bien et du mal, la Bible dit, l'homme a consommé cet arbre. Cet arbre, ses yeux sont ouverts. Parce que la promesse de Dieu était telle que si nous mangeons cet arbre de cette fruit, le fruit de cet arbre, nous serons comme Dieu. Et la Bible dit, les yeux de l'homme s'est ouvert. Et l'homme s'est rendu compte qu'il est ni. Et Dieu, lorsqu'il est venu vers l'homme, il a posé la question, qui t'a appris que tu es né? C'est pour cela, une fois, Dieu nous a appris. Quand nous aimons beaucoup Ricardo, nous allons l'éduquer dans de bonnes choses pour qu'il soit bien éduqué. Mais un jour, vouloir ou pas, Ricardo va faire du mal. Il y a même des parents qui tapent leurs enfants fortement. Qui t'a appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Il y a même des parents qui refusent certaines amitiés avec certains enfants. Parce que tout simplement, celle-là apprend de mal à mon enfant. J'aimerais rassurer un enfant de Dieu. L'homme n'apprendra pas le mal. L'homme aura beaucoup de difficultés d'apprendre le bien. Mais l'homme a déjà la nature du mal, de connaissance du bien et du mal. Donc l'homme n'a pas besoin de l'école pour apprendre le bien et le mal. Vous allez voir, à ce qui concerne la connaissance, pour que l'enfant apprenne certaines connaissances, l'enfant peut passer une partie de sa vie à l'école. Mais pour que l'enfant apprenne du mal, l'enfant n'aura nulle part à l'école. Parce que l'homme a déjà consommé l'arbre interdit. Alléluia. Il est très important de savoir. Vous savez, quand on fait du mal, on est conscient. Quand on fait du mal, on est conscient. C'est-à-dire, n'oublie pas. C'est pour cela que la Bible nous reconnaît, bien sûr, que nul n'est parfait. Parce que c'est la nature de l'homme. Mais bien aimé, nous cherchons la perfection à cause de la connaissance de la parole de Dieu.
Nous cherchons à avancer à cause de la parole de Dieu. Parce qu'une chose je sais, si un parent peut éduquer un enfant, oh, j'aimerais dire à un parent, Dieu est le véritable éducateur de ta vie. Il sait là où le défaut est entré, là où le problème est entré, là où le diable est ensemé. Dieu est capable de réparer ce que l'homme ne peut pas réparer. Même depuis que l'homme ne peut pas résoudre certains problèmes. Mais je me rassurerai à un enfant de Dieu, Dieu est capable de le faire. C'est pour cela que vous allez voir, de même chapitre à partir du verset 15, Dieu a commencé aussi à décréter des promesses. Parce que Dieu voulait réparer. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas un bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider, mieux nous aider que Dieu lui-même. Amen. Oh, je croyais ton amel, allez être fort. Amen. Et dans le verset, même chapitre, verset 3, même chapitre maintenant, verset 22 à 23, Dieu s'est moqué de l'homme. En disant que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme voit, il sait, parce que Dieu sait le mal. Et Dieu n'aime pas le mal. Lorsque le mal est arrivé au ciel, il a compris seulement que le mal ne peut pas arriver. Il a envoyé Michaël, mettez dehors cet homme, mettez dehors cet ange qui veut mettre le mal ici. Le mal ne peut pas cohabiter avec Dieu, oui. Et Dieu a compris. L'homme est devenu comme l'un de nous. Ses yeux sont ouverts. Il peut voir. Il voit maintenant. Maintenant, mettons-nous dehors. Pourquoi l'homme a été chassé au jardin d'Éden? L'homme n'avait pas été chassé au jardin d'Éden. Non pas pour profiter des fruits de l'arbre, pour des animaux qui étaient faciles ou la nourriture qui était facile. Mais Dieu a placé un ange pour protéger l'arbre de la vie. Alléluia. De peur que l'homme le touche. Et l'homme a été chassé tout simplement pour éviter. Lorsque nous parlons de la connaissance spirituelle t'aide, nous aide de telle manière, d'une manière sincère, honnête, que nous puissions consommer l'arbre de la vie. D'une façon honnête, que nous puissions accéder par l'ordre de Dieu, que nous puissions accéder à cette fruit de l'arbre interdit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne l'accès. Et laisse-moi te dire, quand j'apprenais plus auprès de mon père, comme je disais que j'étais impressionné, quelqu'un qui peut dire la Bible, déclarer la Bible. J'ai vu plusieurs fois des gens, on lit la Bible plusieurs fois. Mais laisse-moi te dire, si tu ne te bases pas à l'esprit, tu peux lire d'une manière littérative la Bible même 15 000 fois, même 1 milliard de fois, rien ne pourra changer dans votre vie. Alléluia. Et je reviens sur Jean-Baptiste, et la Bible me dit, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'était pas sans événement. La Bible dit le ciel est ouvert. Dieu a parlé, il a confirmé. Et la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur une forme de colombe. Et Dieu a confirmé, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste savait qu'il viendra. Et Jean-Baptiste lui a vu venir. Mais il y a eu un problème. À un moment donné, pendant la nuit, Jean-Baptiste envoya certains de ses disciples pour aller voir Jésus. Tout simplement pour lui poser la question, est-ce que c'est réellement lui? Alléluia. C'est pour cela que j'aime vous dire, Église de Dieu, à ce qui concerne la connaissance ne viendra pas derrière des miracles. Comment Jean-Baptiste peut douter? Il y a des choses que nous voulons. Dans ma foi, je dis, ça si je vois ça, oh non, ça si je vois ça. Mais Jean-Baptiste a vu Dieu parler et le Saint-Esprit descendre d'une forme de colombe. Alléluia. Mais Jean-Baptiste envoyait encore pour dire, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il est déjà venu? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Proverbe. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Et nous allons lire le verset 6. Vous y êtes? J'ai le nom de Jésus. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Car l'Éternel donne la sagesse.
De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Bien-aimés, il y a des choses que nous aimons. Il y a des choses que nous voulons. Il y a des choses, il y a des gens qui aiment. J'ai vu un frère qui me disait, dit, pasteur, j'aimerais connaître la parole de Dieu. J'aimerais savoir. Oh, lorsque je dois prêcher d'une manière puissamment. Oh, lorsque je dois prêcher, je dois être comme pasteur bienvenu. Lorsque je dois prêcher, je dois être comme berger néo. Je dois prêcher la parole de Dieu. Mais il venait auprès de l'homme pour avoir la sagesse. Il venait auprès de l'homme pour avoir l'intelligence. Mais si la Bible nous apprend, l'intelligence ne viendra nulle part, ni d'ailleurs, mais l'intelligence viendra de l'Éternel. Car c'est l'Éternel, de sa bouche sort la connaissance. Bien-aimé, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, moi aussi je partais ainsi, lorsque j'étais impressionné auprès de mon père, lui m'a dit, lui, moi je ne peux rien te donner. Mais laisse-moi te dire une chose, si Dieu te donne la connaissance que tu auras, le monde ne peut pas comprendre. La connaissance que tu as, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils diront, où est-ce qu'il a appris ces choses-là? Je vois cela dans la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'il avait encore 12 ans, il était encore si jeune, devant des gens qui maîtrisaient la parole, lorsqu'il déclarait des choses de la parole de Dieu, tout le monde était étonné. Quel est cet enfant-là qui peut déclarer ces choses-là? Je prie Dieu ce soir, que le ciel s'ouvre dans votre vie. Oh, que la connaissance de Dieu descende à votre vie. Que Dieu fasse de toi une porte et que les gens verront que Dieu est puissant. Car la bouche de l'Éternel veut sonner pour toi pour t'enseigner des choses mystérieuses. Oh non, je parle à quelqu'un car la bouche de l'Éternel veut t'enseigner des oracles, des choses mystérieuses. Des choses que les hommes ne peuvent pas maîtriser. Des choses que les scientifiques ne peuvent pas maîtriser. Lorsque Dieu parle, la vie d'une personne doit changer. Lorsque Dieu parle, de nouvelles choses doivent commencer. Que Dieu te parle ce soir. Nous devons savoir, il est très important de recevoir la connaissance. Je vais préciser certaines choses avant d'avancer. La Bible m'apprend que l'homme était Nicodème. Nicodème, il était réputé à son époque. Docteur en Jérusalem, docteur en Israël, il était un homme respecté. Jésus lui a parlé des langages spirituels, le langage de Dieu, de la nouvelle naissance. C'était une folie. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la connaissance ne peut venir que dans votre vie à cause de l'obéissance. Vous savez qu'est-ce que dire? Pourquoi Dieu veut nous parler de l'obéissance pour la connaissance? Ricardo, viens, tu aimes bien pêcher avec moi. Viens mon ami. Viens mon ami, cours. Tu ne veux pas prêcher avec moi? Tu ne veux pas? Sois cool. Hein? Alléluia. La connaissance, c'est l'obéissance. Regarde, j'ai appelé Ricardo, malgré sa résistance, il est venu. Parce qu'il a encore l'âge. Mais je peux appeler frère Babi, il peut résister, mais dire pourquoi. Il veut d'abord savoir des pourquoi. Alléluia. Mais un enfant qui veut apprendre, même si tu l'apprenais, et regardez, si je vous dis maintenant, 1 plus 1 est égal à, lui aussi il saura, est égal à 2. Mais moi je te dis, dans le langage spirituel, je te dis est égal à 1. Vous comprenez un peu ça? Donc votre intellect va s'opposer à la vérité que je vous dis. C'est-à-dire, ton intellect, c'est déjà une opposition. Donc l'obéissance est très importante. C'est pour cela que la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc quand je vais amener Ricardo dans une direction, dans un projet de réussite, pour vivre de grandes choses, c'est son obéissance qui va m'aider de faire de Ricardo ce qu'il sera demain. Oh, ton amen ne me convainc pas. Lorsque nous avons des enfants, nous éduquons des enfants, nous projetons un avenir pour nos enfants. Je vais donner l'exemple de papa et mamie. Il sait cela où il veut que les enfants soient. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Et lui, avec sa femme, ils ont un projet pour amener les enfants dans une certaine dimension. Donc, des enfants, obéissez à vos parents. Aucun de vos parents ne veut de mal de vous. Il y a des fois, l'éducation peut devenir choquant, dire, humiliant. Il y a même des enfants qui déclarent que mais ma mère ne m'aime pas.
Parce que tout simplement, on t'a commissionné. Parce que tout simplement, on t'a envoyé. Quand on te demande quelque chose, on ne t'aime pas. Quand on t'exige juste des choses, tu dis que l'amour n'est pas là. J'aimerais dire une chose. L'amour de Dieu peut être très dur pour ta vie, mais c'est juste pour ton bonheur. Oh, alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu peut être dur pour toi, mais c'est juste pour ton avenir. Laisse-moi te dire une chose. Ricardo, reviens encore. Sois cool, mon ami. On prêche ensemble aujourd'hui. Sois cool. On te regarde à la télé. Sois cool. On te regarde à la télé. Sois cool. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ben, comme tu me vois là, à la télé toi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu nous prend, la direction peut être compliquée. La direction peut être humiliante ou souffrante. Mais c'est pour ton bonheur. Il y a même des parents qui tapent leur enfant très fort. Alléluia. Qui tapent fort. J'aime pas, ne tapez pas les enfants. Utilisez d'autres manières d'éduquer les enfants. Mais c'est pour ton bonheur. Alléluia. Si nous obéissons, va t'asseoir maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi j'ai pris un exemple comme Ricardo? Cela veut dire quoi? J'ai plus de facilité de dire à Ricardo certaines choses. Je vais prendre l'exemple de baptême. Je vais donner mon témoignage à moi. J'ai connu Dieu. J'ai servi Dieu. Mais je n'étais pas baptisé. Vous savez pourquoi je n'étais pas baptisé? J'ai prêché même la parole de Dieu. J'étais baptisé. J'ai gardé mon baptême que j'avais pris un peu d'eau ici là. Mais je ne voulais pas seulement obéir à la parole, faire la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, si toi tu étais Jésus, tu ne devais pas aller vers Jean-Baptiste. Mais la Bible me dit, la parole c'est l'obéissance. L'obéissance veut dire quoi? Chaque personne a la dimension que Dieu l'utilise. Toute personne est utile selon le secteur que Dieu lui place. Bien aimé, si tu comprends la grâce de Dieu, tu ne vas pas hésiter. Bien aimé, si Dieu m'envoie en disant que va chez pasteur bienvenu qui prie pour toi, j'irai, ça ne coûte rien. Il y a des fois, le désobéissant fait en sorte, nous souffrons de petites choses qui ne vaut rien. Amen. Qui ne vaut rien. Oh non, s'il prie pour moi, des gens vont voir que je suis petit, comme moi je suis Dieu. Il y a même maintenant des pasteurs Dieu, parce qu'ils ne veulent pas tout simplement obéir. Oh non, moi dans mon église, je suis le chef, comme je suis le chef, il faut que chaque fois, quand on parle de certaines choses, des gens doivent voir un lion. Non, ici je parle de la lion de la tribu de Juda. Si Jésus a obéi, combien a plus forte raison toi et moi? Oh, si Jésus était obéissant, la Bible me dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort, et plus que jusqu'à la mort à la croix. Si Jésus a obéi, peu importe le nom que nous portons, peu importe les dimensions des qualités que nous portons, peu importe le nombre de membres que nous avons, reste obéissant à Dieu. C'est grave. Des noms qu'on donne des archibishops, d'archipapes, des apôtolochacs, des prophétages de l'univers. Moi, c'est les prophètes de l'univers. Ça nous enlève l'obéissance. Jésus avançait vers Jean-Baptiste. Parce que c'est tout simplement l'accomplissement de la parole. Bien-aimé, si tu désobéis à la parole, tu désobéis à Dieu, non pas à un homme. L'obéissance peut être très difficile. Nous ne pouvons pas avoir la connaissance spirituelle sans obéir. Laisse-moi te dire, Dieu, c'est plus que l'armée. Alléluia. Il donne Abraham à un âge avancé, il dit que je vais ça. Tu dois obéir. Abraham portait l'enfant et l'enfant lui pose la question, papa, nous avons tout, où est le bélier? Dieu pourvoira. Et laisse-moi te dire une chose, la connaissance ne peut venir que si nous obéissons. Et Jésus était un homme, oh non, très obéissant. C'est pour cela qu'on dit un agneau. Il ne pouvait rien dire. Malgré les insultes, il partait. Il a commis du mal ici-bas. Mais si Jésus a obéi, pourquoi pas nous? Ça devient difficile. Dimanche passé, je vous ai montré une bouteille moitié remplie.
mais qui peut changer de couleur lorsque vous ajoutez un bouteille de jus rouge. Alléluia. Amen. Mais qui, si est vide, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. La connaissance veut dire, quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, libère-toi. C'était une bataille pour moi, mais j'ai fini par être baptisé. Vous savez pourquoi? La Bible déclare, rien ne s'oppose à sa volonté. On a baptême dans ma langue, dans celle-là, 2 ans. Pourquoi je dois changer? Moi, j'ai fait 2 ans. On a fait une fête, j'ai été baptisé. Donc, tu gardes, tu protèges parce que tu as eu ça depuis l'enfance. Au moins, dans mon église, ça s'est fait comme ça. Même si tu m'enseignes la parole de Dieu. Vous savez, j'ai vécu avec certaines personnes que je ne vais pas citer leur église. Je ne vais pas citer l'église en question. Même si tu le fais du bien, ils préfèrent aller en enfer, mais ne pas nier papa. Parce que papa, il est Dieu. Papa, il est devenu Dieu. Même si tu lui prêches la parole de Dieu, il n'obéit plus à la voix de l'Éternel, son Dieu. Tout simplement parce qu'il veut obéir à papa. Parce que papa a dit. Peuple Dieu. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Jean chapitre 16, verset 7 à 10. 16 à 17. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Vous y êtes? J'ai l'âme de Jésus. Jésus l'a répondu, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Alléluia. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire plus fort amen? Même l'enseignement que Jésus prêchait, ne venez pas, ça peut être contradictoire. Parce que Jésus traitait même des leaders les plus charismatiques d'Israël, des brigands. Il disait que Moïse ne vaut rien. C'était vraiment révoltant pour Israël. Mais il disait une chose, mon enseignement ne vient pas de moi. L'enseignement vient de Dieu. Bien-aimé, les choses de l'esprit. Oh, obéissez seulement à Dieu. C'est pour cela, dans la foi, il y a la conversion. La conversion, c'est une fruit d'obéissance. J'étais autre chose, une chose. Mais j'ai reçu la parole, la connaissance de Dieu. J'ai reçu la parole de l'Esprit a fait en sorte que je change l'identité. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le rabbi. Même s'il prie 25 ans, j'ai entendu quelqu'un qui est ici en Europe. Chaque fois quand je lui parlais, il disait, tu vois mon église, mon église, mon église, mon église. Tu vois mon église, je lui ai posé une fois la question. Ton église, c'est où? Oh non, mon église, c'est l'Afrique. Ton pasteur où? En Afrique. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais vous croyez que l'église va nous sauver? Alléluia. Et si Jésus parle, et nous devons savoir, dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. La parole que Dieu t'annonce est esprit et vie. L'esprit te donne la capacité de connaître certaines choses que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas. La vie, la parole nous donne aussi la vie ici-bas et la vie éternelle. Et lorsque Dieu nous annonce la parole, cette parole qui est esprit et vie, mais nous résistons. Attends, on va voir. On va faire un petit... Soyez dans la maison, non? Nous sommes dans la maison, n'est-ce pas? Quelqu'un est-il dans la joie? Qui a déjà, depuis qu'il est chrétienne ou chrétien, il a déjà dépassé 5 ans. Levez la main. Depuis que vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus-Christ. J'ai mis, mais seulement, c'est rien. C'est juste pour faire ça dans l'ambiance. Faisons ça dans la vie, ambiance. Ah non. Même des bébés lèvent les mains. Ouais, gloire à Dieu. Voilà. Ah non, c'est pas grave. Même les bébés lèvent les mains. On fait ça dans l'ambiance. Faisons ça dans l'ambiance. Fais ça dans l'ambiance. Dans l'ambiance, cela veut dire même des bébés lèvent les mains. C'est pas grave. Même les bébés lèvent les mains. Amen. Maintenant, baissez vos mains. Je vais parler maintenant, pas aux enfants, maintenant je vais parler aux adultes. Qui est déjà baptisé par immersion? Parce que nous parlons de l'obéissance.
qui est déjà baptisé par immersion. Pasteur, merci. Berger, merci. Papa, merci. Merci, papa, merci. Non, je parle. Aidez-moi vraiment. Si vous êtes baptisé par immersion, je ne dis pas l'eau qu'on met l'appétit là. Aidez-moi parce que je voudrais savoir ça. C'est l'obéissance, pas l'eau de l'obéissance. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça dit, maintenant, regarde. Si vous voulez que la connaissance vienne dans votre vie, c'est l'obéissance. La foi ou la connaissance nous aide à réparer des erreurs commises. Peut-être si vous n'êtes pas baptisé, vous étiez comme moi. Mon père me supportait. Moi, on m'a prêché la parole de Dieu pour que j'accepte l'immersion, c'était grave. Et mon père me disait même, tu n'as même pas honte de prêcher des gens toi-même. Et je venais de voyage missionnaire avec mon petit Lola. Écoutez, si Jésus a fait, a obéi à Jean-Baptiste, alléluia. Jean-Baptiste était qu'un immortel. Mais Jésus n'était pas mortel. Même s'il meurt, il y retrouva la vie. Mais il a obéi. Alléluia. L'église de Dieu. Écoutez-moi. Le temps passe. Et ton obéissance va t'aider à libérer, va te libérer, va libérer ton âme de toutes tes erreurs. Tu vois cette année que nous sommes. Berger, cherchez une date. Vous allez être baptisé. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Oh non, 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 non. Non. Je croyais que tu allais dire vraiment amen. Je me pose une question. Je ne vais pas dire à toi. Mais si je rate cette opportunité, quand est-ce que viendra l'autre opportunité? Alléluia. Et si vous observez l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas arrivé jusqu'à très loin parce qu'on lui a décapité. Alléluia. Et Jean-Baptiste reconnaissait en disant tout simplement, celui qui baptise, moi je baptise de l'eau, mais celui qui vient après sera, va vous baptiser de l'eau et de l'esprit. Oh, alléluia. Que la connaissance de l'esprit descende sur toi. Lorsque tu seras baptisé, qu'une autre dimension commence dans ta vie, qu'une porte de grâce commence, que cette église, une flamme de puissance jaillisse, que Dieu fasse des choses de dimensions différentes. Oh, nous allons obéir pour réparer des erreurs passées. Si autrefois on a commis des erreurs, la parole est venue pour nous aider sur le plan spirituel, de réparer ce que nous n'avons jamais réparé. Alléluia. Il y a un moment donné, on était à la maison. Je rends gloire à Dieu parce qu'il y avait un frère qui voulait être baptisé. Mais il était pressé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on doit aller. Nous n'allons pas se laver. En réalité, si Dieu nous donnait des possibilités, je préfère même pas qu'on parte en fleuve. Si vous avez une piscine pour les enfants, vous savez ces piscines-là que les enfants utilisent pour se laver. Si tu as ça, emprunte-nous ça. Nous allons le faire même ici. On met l'eau, on le fait ici. Ce n'est pas besoin que personne ne te trompe. Beaucoup de gens disent, oh, ça lève les péchés. Non, c'est l'obéissance. Jésus a obéi. Paul nous disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si Christ a obéi, combien a plus forte raison vous que moi? Oh, que les erreurs de mon âme soient libérées. Que les erreurs de ton âme soient libérées. Oh, que tes erreurs de ton âme soient libérées. Que les erreurs de ton âme soient libérées. Oh, que les erreurs de ton âme soient libérées. Béni sois avec moi ici. Apporte ta Bible. Tu fais quoi? Béni. Alléluia. Que Dieu libère les erreurs. Vous savez, la vie humaine, c'est rempli des erreurs. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Ah ouais. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. J'ai l'homme de Jésus. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jésus parlait aux Juifs qui ont crié à lui. Parce que tous les Juifs n'ont pas crié à Jésus. Vous allez voir. Même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas en Israël. Israël est plus juif que chrétien. Jésus a dit, si vous acceptez cette parole, vous serez réellement affranchi. Oh, que Dieu libère l'âme de quelqu'un. De toutes tes erreurs que les ennemis ont accomplies. De toutes les fautes que tes pensées ont réalisées. De toutes les erreurs maléfiques et diaboliques. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen, amen. C'est le moment de l'offrande. Prie pour ton nom.